Voilà, donc voilà, nous sommes au trou, enfin après le trou numéro 10 que je viens de jouer. Tour de la compète pour la NFH et la SPTT. L'allée fut pas top, comme vous avez pu voir. Mais bon, allez, je viens de faire un beau pas. Le retour, on va jouer plus détendu, plus safe. On va faire quelque chose de bien. Allez, go! Donc, 120 mètres. Vas-y, jouez. Bon, un peu à gauche pour ma part. J'ai rebondi sur la butte, ça devrait être pas si mal que ça, je pense. Je prends. Bon bah les amis, je vais vous montrer où je suis, ça va vous faire rire. Zouk. Ah voilà. Ah oui, je suis à 1 mètre du drapeau. Ça va être une espèce de sortie de bunker topée roulante. Mais voilà, je prends. Et lui, il est pas sur le green, il fait le voir. Il y a une justice. Oh, enfin un pas. Voilà, bon, on drive un peu à droite, mais ça donne. Je te vois dans le raf à droite là-bas. Bon, allez, j'étais là. Hop là. J'étais là, j'ai fait mal en voulant sortir, je suis un peu à droite. Je suis pas sûr. Oui, je suis sûr. Désolé. Bon bah tu devras pas être bien loin. On fait des balles ultra courtes, toutes mes approches, j'ai raté toutes mes approches aujourd'hui. Allez, on va aller plus fort, je suis par loin, regardez, je peux être pour 4 quoi. Allez, un deuxième bogey. Enfin, un deuxième bogey, tout simplement. Bon, ça va. Je m'en suis bien sorti. Dommage, j'aurais fait une approche plus propre, donc on fait pas. Et allez, go, on passe au trou d'après. Thank you.
trou numéro 13, 4 par 5 de 489 mètres. Allez, je vais aller chercher ça. Bon bah les amis, j'étais là. Je l'ai mis hors limite dans le sachet, j'en ai remis une deuxième. Voilà, allez, voilà c'est la fin de. C'est le début de la déchéance. Allez go. Je suis là, 268 mètres. Ah, coup d'hybride. C'est déjà très très dur là. En fait, celle-là, je peux dire, je vais même pas compter, je vais rien changer. Je pense qu'elle va être dans mes cartes pourries. Allez, go. Bon, là, j'ai 142 mètres entrée de green. Un peu 20 fois, je vais me faire 7. Peut en pente là, dommage parce que je peux être pour bogey. Sur ma deuxième balle, je fais drive hybride 4 faire 7. Jouer pour par. Jouer pour par. Bon triple, ma balle s'est arrêtée à 1 cm du bord du trou. Dommage. Ouais, c'est pas grave, c'est le jeu, et triple. C'est quelle mauvaise carte aujourd'hui. Ça m'inquiète de compter. Allez, on résiste. Trou numéro 5 de retour. Soit le 14. Allez, c'est par un autre par 5, le dernier par 5 cette fois-ci, de 435 mètres. Voilà. Allez, go, je vais faire 5, je vais pas faire mon drive. Parce que normalement, je suis là, si elle reste à droite, je suis dans le baba. Ben voilà. Je veux pas en mettre plus. Là, je sens que tu t'es lâché. Un peu là. J'ai mis une sacoche. J'en avais ras le cul, j'ai mis une sacoche. Je suis là quand tu... Ton drapeau ou l'hybride 4, ça va être compliqué. Mais bah pas avec ça. Encore, encore, sors du ref, sors du ref, sors du ref. Non. Allez, 125. Non. Bah... Le coup d'après. Ah, l'ombre. J'avais un peu chaud. Bon, j'ai plus rien, les amis. Je suis pas du tout dans le même vin, là je réfléchis trop technique, je suis à fond, là je suis en train de penser technique, machin, qu'est-ce qui se passe, machin, et je fais n'importe quoi. J'ai joué il y a 3 jours une part en plus 4 sur un 9 trous, et là j'ai joué en plus 40. Mais bon, allez, on continue, on s'accroche, allez. Bon, je suis là les amis, je vais faire une 50 coulées. Ah, je suis un peu long derrière. Un petit peu long derrière le green. Et on va aller péter ça pour plus 8000.
Allez, petit drive en ligne, en rythme. Voilà. Allez. Donc celui-là. C'est un petit par 4. Il va falloir que je change de batterie, je n'ai plus que 8%. Je vais le faire juste après. Donc un petit par 4 de 350 mètres. Assez large, comme vous avez pu le voir. Donc, je suis à droite du petit sapin bleu, là j'ai fait un petit drive. Bon, je lâche prise sur ma partie, hein, celle-là et cette carte, de toute façon, à mon avis, j'ai été dans le tour de 100. Mon objectif c'était 89, hein, donc bah alors raté. Non, j'ai un gros problème avec mes fers, là. Je me suis pris la tête et j'ai l'impression de forcer, là il y a un truc qui va pas. Donc, je pense que c'est le rythme qui est pas bon du tout, je sais pas pourquoi. Mais déjà hier j'ai fait juste une petite session là, tranquille. Surtout pour le drive parce que je mettais que des saucisses au drive et là quand même on voit que dans la globalité c'est quand même beaucoup mieux. Il y a encore quelques saucisses qui traînent mais moins que d'habitude. Mais voilà, donc je sais pas, avant que je reprenne ça tranquillement la semaine prochaine. Puisque de toute façon la semaine prochaine, autre compétition au golf de Courson que vous découvrirez bah, du coup sûrement le mardi d'après où sortira cette vidéo. Donc voilà. Bon allez, je continue, j'ai fait quand même un beau drive. On va voir si je peux continuer à vous faire sur les trois derniers trous qui restent en 4. Quelque chose de sympa à regarder en tout cas. Voilà, mais sinon en attendant, si vous voulez voir encore continuer à avoir des mauvais coups, ou en tout cas de la bonne humeur, on essaye d'en faire le plus possible. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker et à vous abonner à la chaîne si vous voulez continuer à voir du contenu. En tout cas, moi je m'accroche, hein, vous voyez, même si je joue comme une quiche. Qu'est-ce que j'ai une chèvre unijambiste aujourd'hui, je pense, je suis à peu près par là. Et encore, je suis désolé pour les chèvres. Bon, allez. Allez, 135 mètres. 135 mètres dans le rough, je vais faire un fer 8. J'ai vu l'arbre. Celle-là, voilà, tout tranquille, en rythme, je crois que j'ai trouvé mon rythme. Là, je vous ai dit que celle-là, là, j'ai fait 30 mètres de plus que la distance normale. Bon, là, j'ai retrouvé mon rythme, a priori. Allez, on va aller voir ma balle, si j'arrive à la jouer. J'ai raté le green, je suis à gauche du green, dans l'arbre, dans le sol là-bas. Passé à gauche, dommage. J'ai tiré trop à gauche, je veux dire passer à droite. Et plus à droite, ça aurait été parti. Donc un dernier par 4 de. Enfin, l'avant-dernier par 4 de 326 mètres, vent de face. Donc, Et celle d'avant était haute. J'avais 192 mètres, t'as vu, j'ai fini derrière le green. Avec mon boisson. Ah oui, oui. Ça va pas dans le sens là. Je l'ai. Je crois que je l'ai prise un peu pointe. C'est un peu juste. Je pense que je suis bord de lui. Moi j'ai dit que ça montait un peu, mais la prochaine fois je jouerai plus de fois. Je n'ai pas osé l'attaquer celle-là. Je me prends prendre mon 50. Bon allez, on va les péter ça.
un par 3 de 151 mètres au barbeau. Je vais faire 7, j'ai fait une gratte énorme. Je suis à gauche, juste avant le bunker de gauche. Mais je vais dans le sens du green, ça va pas être si mal. Donc on va aller voir ça. Milieu du green. Donc je vais faire un 58. Entrée de green. Ouais, je sais pas, je. Mon chip là est très mauvais, très juste, très mou, trop court. J'atterris 3 mètres avant que je voulais atterrir, donc bah, je suis 5 mètres court quoi. Allez, on va dépoter ça. Vu de putt, en fait j'ai pas vu que vous étiez ici à gauche. Je fais double. Aussi avec la distance ça doit être bon. Pouf. Voilà. Donc j'ai fait double, j'étais un peu trop long au premier putt. Enfin, j'ai mon approche qui est pourrie. Hein. J'étais 5 mètres, en fait j'étais pas du tout le bon club. J'ai pas fait gaffe avec une petite montée, il fallait que je joue 50 voire pitch en fait. J'étais au moins 10 mètres court J'étais 10 mètres court donc. Enfin, non seulement j'ai joué mon putt court, donc j'aurais peut-être pu arriver à 5 mètres court. Mon approche était beaucoup trop courte. Et en plus derrière, j'ai pas pris le bon club. Donc bah voilà. Punition. Derrière, 3 putts. Boum. Voilà. Bon allez, le trou numéro 18. Par 4 de 300. J'arrive, hein, c'est pas que j'arrive au panneau. Voilà, 257 mètres comme vous pouvez le voir, rivière en bas, ça se drive, un gros bunker qui fait tout le tour du green. Donc allez, go. Voilà, ça c'était le dernier drive, au moins, il a passé l'eau. Il a passé l'eau, c'est bon. Voilà, moi je suis sur la gauche. Je vois pas trop mal. Franchement, celui-là, il ne faut pas hésiter, hein, c'est à par 4. Le green, c'est qui tape, comme il y a 240 mètres en descente, qui attaque un peu. Ils peuvent attaquer le green en 1. Franchement, il ne faut pas prendre de risque, c'est large. Au pire, vous jouez au-dessus de l'arbre là. Si ça part à gauche, vous êtes sur le green gauche. Si vous êtes à droite, vous êtes sur le bon green. Donc, quand vous êtes pas chaud, vous jouez au milieu. Y'a pas de risque. Allez, on va aller voir ma balle. Et on va aller faire une approche pour ce dernier approche normalement. Croise des doigts, touche du bois. Allez, go. Bon, j'étais sur green, je me suis donc droppé hors du green sans me rapprocher du trou, en me reculant un peu. Allez, j'ai 54 mètres milieu de green. Du bon green cette fois-ci. Allez. Hop, sur le green, petit green en régule. Allez, on va aller péter ça. Par rapport à mon classement. Bon, un petit par. Ah oui. Voilà les amis, et voilà, c'est la fin. Ça a été laborieux. Mais en tout cas, une très belle compète. Et voilà, et j'ai fait le par sur le dernier. Et voilà, et le monsieur qui a fait le birdie. Et tu as fait birdie, exactement. Voilà, enfin. Donc voilà, et ben en tout cas, les amis, j'espère que ça vous a plu. J'ai galéré pendant tout ce parcours-là. Mais on recommence la semaine prochaine. Deuxième compète à Courson. On verra si ça sera mieux. Allez, salut. Oui.